Et bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue sur le live donc de l'Epicness sur Final Fantasy VII. C'est de la folie, vous êtes toujours de plus en plus nombreux, vous êtes toujours plus en avance que moi sur le live. Je vous remercie pour cet accueil, en fait, j'aurais jamais pu rêver mieux. Et je voulais vous dire tous bonsoir, bonsoir Faradir, bonsoir Maxou, bonsoir Cranely, voilà, bonsoir tout le monde, j'en ai peut-être oublié dans le lot. Et on va commencer ce jeu tout de suite. Voilà, et on va recharger dans la région de Junon, bien sûr. Après cette traversée absolument monumentale et complètement épique de cette caverne avec un virus décédé et un toutoun décédé. Mon Dieu. Mais c'est pas grave, puisqu'on va les faire dormir 2 ou 3 heures et ça ira mieux après. Hein. Voilà, et donc on arrive dans un nouveau bâtiment. Bâtiment qui s'appelle Fort Condor. Nous combattons la Shinra depuis longtemps sur ce champ de bataille. Et nous sommes toujours installés dans une longue guerre contre eux. Si tu n'es pas pressé, pardon, excusez-moi, c'est l'émotion, hein. Si tu n'es pas pressé, accepterais-tu de nous aider à les combattre? Écoute, nous ne voulons pas t'influencer, mais si tu as entamé autre chose, pourquoi ne terminerais-tu pas d'abord? Alors, on peut très bien lui dire qu'on va l'aider. Comme ça, il nous donne accès à l'intérieur et on pourra revenir plus tard, dans tous les cas. Oui. Et bonsoir au Nightbot. mon Dieu. Voilà, donc c'est la première ville qu'on rencontre, la première autre ville qu'on rencontre après cette région de Midgar. Et on s'aperçoit que c'est quand même nettement différent de ce qu'on peut rencontrer. Je trouve que ça a un léger charme, ce petit village dans la montagne. Alors, bien sûr, l'intérêt. Voilà. C'est qu'on va pouvoir descendre ici. Et on a quelques lits. Ça va être impeccable. On peut pas se reposer là? Oh, bah tiens. J'ai cru qu'on pourrait se reposer, mais non. Bon bah c'est pas grave. Eh ouais, Toutou n'est pas là ce soir. Bah je pense qu'il doit se reposer avec Tremblotte, puisqu'ils ont fait pas mal la Java hier. Ils ont donné un concert du côté de Cherbourg. Bonjour, je suis désolé mais je n'ai rien à vendre pour le moment. Tout ce que nous avons et tout ce que nous avons, nous l'utilisons à nos propres fins. Donc c'est bien ce qui me semblait, il va falloir d'abord que je réussisse une mission. Allons-y. Pauvre Toutoun, et pauvre moi surtout. Hein? Vous êtes méchant, Toutoun, Toutoun, mais il y a moi aussi, je suis mort. Ayez un peu pitié. Regardez-moi ça, c'est magnifique, quoi. Pour l'époque, c'était vraiment beau. Mais même aujourd'hui, ça a encore son charme, on croirait du Disney. Hein. Vous voulez voir ça, vous aussi, les gars? Voir quoi? Les condors, ils sont gigantesques, venez voir! Donc nous, c'est ce qu'on vient de voir. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un condor, un vrai condor, hein, je veux dire un vrai oiseau. C'est pas une statue, c'est un vrai oiseau. C'est-à-dire qu'il fait cette taille-là. Alors, impressionnant, non? Complètement, ouais. Allez, on descend. Alors, il y a Pépé au comptoir, il va peut-être pouvoir nous expliquer ce qui se passe dans le coin. Oh! Ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé voir. Quelqu'un grimper là-haut.
ton regard est différent. Enfin, d'une minute à l'autre, cet endroit sera transformé en champ de bataille contre la Shinra. Il vaudrait mieux que tu descendes avant de te faire prendre dans le combat. La Shinra ? Mais qu'est-ce qu'ils font, ces idiots par ici ? Qu'est-ce que tu veux dire par champ de bataille ? On dirait que tu as aussi un problème avec la Shinra, après tout. Tu as grimpé jusqu'ici. Pourquoi ne veux-tu pas écouter ce que j'ai à dire ? On peut s'asseoir avant ? J'imagine. Sais-tu ce qu'il y a au sommet de cette montagne ? Hein ? Il y a quelque chose là-haut. Un immense oiseau. Le réacteur est le condor. C'est bien ça. Sur cette montagne, il y a un condor et un réacteur. Ah, bonjour Toutoun. Ah, j'ai cru que t'étais parti te reposer. Ah, bug du chat, ouais, il y a quelques petits soucis avec Twitch en ce moment, mais c'est pas gênant, c'est pas très très grave. On dirait que la Shinra n'apprécie pas l'idée d'avoir un condor au-dessus d'un réacteur. Bon ça, quel oiseau! Mais pourquoi cherche-t-il à s'en débarrasser avec des armes? Oui, pourquoi? On dirait qu'il y a une sorte de matériel spécial dans ce réacteur au-dessus de nous. À cause de la venue des condors, la Shinra a envoyé des troupes à cet endroit. L'armée veut se débarrasser du condor et de tous les villageois qui habitent dans cette montagne. Les condors couvrent leurs œufs. Le n'éclot qu'une fois toutes les quelques années. Nous aimerions protéger les condors contre tout ce mal. De nouvelles créatures ? Je m'en occupe. Je vais les protéger de la Shinra. Nous devons protéger les œufs du condor, pas vrai ? Malheureusement, nous ne sommes pas capables de vaincre la Shinra par nous-mêmes. C'est pour cette raison que nous employons des soldats pour nous aider. Tu es notre protecteur, alors tu peux nous apporter ton aide au combat. Qu'est-ce que tu crois ? Tu veux te joindre à nous dans le combat ? On n'a plus le temps de penser. On doit le faire. Virus, pourquoi te préoccuper encore ? Bon vas-y, on y va. Nous serons là pour porter assistance. Oui, faisons de notre mieux. Impeccable. Maintenant je suppose qu'on fait plus ou moins partie de la petite famille, alors peut-être qu'on va pouvoir utiliser un peu les items. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Bonjour, fais de ton mieux, nous ferons aussi de notre mieux. Yeah, ça y est. Donc voilà, là on a les matériaux de base qu'on avait déjà. On peut les acheter en double exemplaire. Attends là. Là on a des queues de phénix. Bonheur. Non, c'est pas les cités d'or. T'aimes pas la voix du papy ? Voilà, ça y est, enfin. Reposons-nous, d'accord ? Oui, prenons un peu de repos. Sachant que je suis mort, voilà. Tadam ! J'ai dormi 2 heures et je suis en pleine forme. Toutoun aussi, hein, bien sûr. En pensant à ça, justement, hop, tac. On va faire une petite sauvegarde. Moi j'aime bien sa voix, écoute. Alors, insérons notre délicieuse sauvegarde dans la fonte numéro 2.
Et on est parti, on va aller voir ce qui se passe et comment on peut aider. Donc je suppose que c'est là-haut, si je me souviens bien. Non mais tu es... Tu peux ne pas aimer ce que j'aime, hein. Merci d'avoir accepté. Voici notre stratégie. L'ennemi grimpera au sommet de la montagne en direction du réacteur. Nous allons leur tendre un piège et engager des soldats pour protéger la zone. Eh bien, c'est tout. Ah, c'est un plan efficace, effectivement. Ce village n'a pas d'argent, même si nous voulions nous battre, nous avons les maniers. Car nous n'avons pas d'argent. Pour chaque soldat, il nous faut 400 guilds. Par conséquent, si nous engageons 20 soldats, il nous faut 8000 guilds. Alors si tu as le temps, nous voudrions que tu utilises ton argent pour engager ces soldats. Achète un piège, le poser et commander des troupes. Si tu n'as pas le temps, peut-être pourrais-tu nous offrir une aide financière. Si tu nous donnes de l'argent, nous pourrons engager des soldats et stopper l'attaque de la Shinra. Nous savons très bien que ce que nous te demandons est égoïste. Nous avons envoyé nos femmes et nos enfants dans un autre village. Nous sommes résignés à notre sort. Retournons à la place 1. Si l'ennemi pénètre dans notre hangar, il faudra immédiatement riposter. Eh bien, ce n'est pas parce que tu as perdu une fois que c'est la fin du monde. En revanche, si tu perds plusieurs fois, ça risque de devenir dangereux. Bien, tu as des questions ? Alors ça, c'est carrément, mais c'est du racket. Carrément. Et à voir ce type qui monte là-bas, on dirait qu'ils ont réussi. Un peu d'aide serait la bienvenue. Hop, donc, j'ai commencé la quête. Ça m'empêche pas de quitter le réacteur, je pense. Salut Opossum, comment vas-tu? Hop, on descend le long de la corde. Donc en fait, là j'ai juste pris... En gros j'ai pris une quête secondaire, quoi. Et ça m'a permis en fait, en prenant cette quête, ça m'a permis d'ouvrir un petit peu tout ce qu'il y avait à vendre là-dedans, quoi. Ouais, et comme ça on est full life, youpi! Bon, combat, enfin! Enfin du combat! Et des nouveaux ennemis, génial! C'était bien joué, bravo gamin. Mais est-ce que tu pourras réussir à résister au feu purificateur? Putain, endurant! Une espèce de gros hibou et de petits bitonios là, je sais pas trop, je me rappelle plus trop comment ça s'appelle, mais une bonne Magic Matra, ça n'a jamais fait de mal. Eh ben écoute, moi ça va, impeccable, hein, tu vois, je joue à Final Fantasy VII. Bonsoir Alpix. Alors, essayons de traîner un peu par là. Là, je cherche quelque chose de bien particulier. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on va y passer quelques temps à cet endroit-là. Magic Matra. Bam. Et voilà.
Et un level supplémentaire pour Iris. Tu vois, Toutoun, t'es que level 15. Oh, mon pauvre Toutoun n'est que level 15. Comparé à Iris qui prend très rapidement de ses levels hein, actuellement. C'est bien Faraday. Ah, ça fait mal. Super. Alors la limite d'Aeris, hein, ça reste the truc de badass. Hein. Ça reste assez difficile de mourir avec Aeris dans l'équipe. Bim, coup de bâton. Coup de bâton final. C'était une victoire totale. Bravo, Aeris. Merci. Voilà, et on a un Toutoun qui vient d'arriver au level 16. Ma musculature prend de l'ampleur. J'ai fait encore 3 heures d'exercice. Il va falloir me huiler mes pectoraux. Ah, bah voilà. Oh, donc on a deux limites de prêtre, celle d'Aeris et celle et la mienne. Un petit coup de magie. Allez les gars, je vais vous soigner. Toi, Toutoun, t'en as pas besoin, toi. Toi, t'es un gros dur. C'est qu'une égratignure, c'est qu'un petit bobo. Donne ton bobo, Toutoun, je vais souffler dessus. Ah, mais si tu es un vrai pote, mon virus. Je t'aime. Moi aussi. Amour viril, mon cher Toutoun. Amour viril. Amour viril. Alors. Oh! Oh mon dieu! Tout le monde est énervé! Contre Taïad! C'est! Ah, je sens que ça va sortir! Grand coup! Et un petit vent guérisseur. Full life. Maintenant. Impulsion bleue. Non, il nous a attaqué, il nous a fait bobo. Tu vas payer. Vous remarquez que c'est quand même Aeris qui en achève le plus. Ma volonté étant bien sûr de lui faire gagner ses limites très rapidement, du coup. Un bisou magique sur ton petit bobo. Nouveau combat.
nouvelles limites. Impulsion bleue. Encore une. Non, il nous fait des dégâts. Ils sont des vilains. Contre Taïad. Say. Allez. Ah non. C'est pas grave. C'est pas grave, la toutoune il est énervé. Oui, je suis énervé. Bam. C'est le genre de personne qui dit facilement dans la rue parle à ma main. Enfin, en l'occurrence, là plutôt, parle à mon fusil mitrailleur. Alors. Tac, une petite magie de guérison. Et voilà. Coucou, Miss Papillon. Et bienvenue sur le live de l'Epicness sur Final Fantasy VII. Tout commenté avec une voix grave et virile, mais remplie d'amour. Mais qui c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais il essaie de nous brûler. T'es qui toi? Arrête de m'emmerder. Non, il a transformé Toutoune en grenouille. Oh mon dieu. Toutoune, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, bonsoir, Tremblotte. Excuse-moi, je t'avais pas vu. Si, si, tu as le droit à ton coucou. Bien sûr. Bien sûr que tu as le droit à ton coucou. Oh. Tu vas bien? Eh hey mec, je peux pas croire que j'ai perdu. Espèce de vieille tête de hérisson, encore une fois on remet ça, encore une fois. Ça ne m'intéresse pas. Tu penses pouvoir t'échapper? Reste pour te défendre, bats-toi, tu entends? Écoute, Allez, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur de moi, hein? Non, mais, t'as un petit peu... Enfin... Je pense que t'as la trouille. C'est exactement ce que je pensais. Qu'est-ce que tu crois avec ma force? Bonne chance à vous, les mecs. Si ça vous dit, on pourra revenir faire un tour plus tard. Je m'en vais, vraiment. Ah oui, bah fais ce que tu veux. Elle est partie. Alors ça a servi à quoi tout ça? Bah je me le demande. Alors, et maintenant faut que j'aille par ici. Une petite magie de guérison. Sur Toutoune. Voilà, parce que j'ai soufflé sur tes bobos, mon petit Toutoune. Il est redevenu tout musclé, ça y est. Je vais quand même soigner vite fait Aerith. Alors, pourquoi je reste par ici? Ça reste un mystère.
Mais on va continuer à se balader dans la forêt et à chercher des champignons, hein. Cueillir des fleurs, des framboises, tout ça, tout ça, tout ça. Oh non, ils nous attaquent par derrière! C'est vilain! Je vais vous refroidir, moi. Vous allez tâter de mon épée. Vous avez pas honte de vous en prendre à une faible femme? Bande de créatures indignes. Vous avez pas honte de vous en prendre à un gros baraque black musclé? Oh, ça c'était un critical où je m'y connais pas. Attention Max, attention aux caps ou aux liens ou ce genre de choses, hein. Eh oui, c'était violent. C'était la violence. La violence la plus totale. Non, ils sont en train d'attaquer Iris. C'est tellement vilain. Magic Matra. Ah, les roquettes, ça fait toujours un petit effet, hein. Arrêtez d'attaquer mon copain Toutoun. C'est vilain. C'est vilain tout plein. Contre Taïad, viens tâter la justice de mon épée. Sei. Salut Dash. Cacaroquette. Ça y est, enfin. Alors là on va commencer à s'amuser. On va commencer enfin à s'amuser. J'ai gagné mon niveau de limite. Le deuxième niveau de limite qui s'appelle également contre Taïad, mais qui n'a absolument pas la même fonction que le contre Taïad qu'on a vu précédemment. C'est une erreur de traduction d'ailleurs. Oui, mais c'était aussi pour montrer un petit peu Ça va dire, c'était pour montrer un petit peu l'ensemble de ce qu'on peut faire aussi. Tu vois, les dialogues, tout ça, tout ça. Non! Arrêtez d'attaquer mon toutoun! Cacaroquette. Au revoir. Adieu. Alors, allez, un petit combat là, un petit combat. Allons-y. Je fais un peu dans le roleplay, tu vois, Faradia. Non! Ne tuez pas mes amis! Je vous l'interdis.
grand coup. Tu ne mérites que la mort. Vent guérisseur, Full Life. Allez les amis, on va se les faire. Ils vont tâter de notre justice. Ah non, impulsion croisée. Alors si vous avez vu en fait, donc j'ai une Materia Touk à gagner un level, maintenant je peux lancer deux fois guéri sur l'ensemble de mon équipe durant un combat. Voilà, victoire totale. Espèce de complétionniste, oui, tout à fait. Ah non, Dash, Max a dit qu'il était rentré hier, justement. Allez, on cueille des champignons, des petites pâquerettes, des glands. Bon, des glands, vous me direz, ça on en trouve un peu partout, hein. Y a pas que dans la forêt. Bon sang, encore eux. Vite, Aeris, il faut que tu chies des requêtes. Bien, Virus, en avant. Magic Matra. Oh, ces requêtes étaient efficaces. Oui, je me suis enfilé tout un tube de suppositoire juste avant. Enfin! Donc on a gagné le deuxième niveau des limites d'Aeris. Mais alors par contre... quand on regarde, on voit en fait que sa limite est quasiment à fond. Donc je vais attendre que sa limite soit à fond et de l'utiliser pour revenir à souffle terrien. Parce que là, à l'heure actuelle, si je me mets en niveau 2, je vais reset l'ensemble de ma barre de limite. Ça serait vraiment dommage. Surtout que je peux me gagner un petit vent guérisseur, un petit heal comme ça à la volée. Magic Matra. Eh ben dis donc, t'es encore près des suppositoires? Non, c'est ceux qui restaient du dernier combat. D'accord. Là, ça va devenir intéressant. Contre Taïad, deuxième level. Oh! Et là, c'est quand même beaucoup plus efficace et ça a quand même vachement plus la classe. Tu ne le sais pas, mais tu es déjà mort. Ah, ça y est, combat! C'est toujours vous! Vous êtes encore là! Vous n'avez pas compris la dernière fois! Ça va devenir limite hein, par ici.
Haha, limite. Ah. Par contre, un petit éther, ça sera pas de refus. Ah, potion. Tu es sidéré par ma puissance. La puissance du virus. Bon, je devrais arrêter de dire ça parce que c'est déposé quasiment, hein. Quelle puissance, quelle violence! Alors par contre, je suis désolé, on est vraiment... Je pensais pouvoir retomber dessus très rapidement, mais apparemment... ils sont pas décidés, hein. Cacaroquette dans vos têtes. Ah, j'ai fait une rime. Ah. Victoire totale. Un petit coup de magie. Toc. On souffle sur les bobos et logiquement tout passe, hein. Non, Faradir, 5. 5. Et sur celle-ci, 7. Et j'ai pas dit caca moquette, hein, j'ai dit caca roquette. Attention, c'est différent. Non mais... C'est fini, oui ? Salut Narwick. Ouais, je sais pas ce qui se passe sur Twitch en ce moment. C'est relativement lent. Narwick a passé le pare-feu. Ouais. Il a passé la douane. Bravo pour Narwick qui a passé la douane. Il a eu 20 minutes de fouille au corps, mais il s'en est sorti. Presque indemne. Ah, c'est efficace, hein. C'est efficace, y a pas à dire. Il a dû déclarer 2 litres de hashtag tisane, mon dieu. Super, une matéria tout qu'a pris un level, ça c'est vraiment impeccable. Il y a des trucs pas très très sains qui se disent dans le chat, hein. J'évite de t'en parler trop. Oh, cette violence! Oui, level up! Level up, j'ai un level up d'épicness supplémentaire! Et ma voix devient de plus en plus grave et de plus en plus... de plus en plus sexy!
comme Barry White. Oh baby. Magic Matra! Rendez-vous en enfer! Je suis la justice! Un petit éther. Tiens, Aerys, sniff un peu d'éther. Ne faites pas ça chez vous, bien sûr. C'est encore elle! Tiens! Apprends ma nouvelle attaque! Contre Tayad! One shot! Ça y est, ce coup. Hé, hey, mec, je peux pas croire que j'ai perdu. Espèce de vieille tête de hérisson. Encore une fois, on remet ça, encore une fois. Ça ne m'intéresse pas. Tu penses pouvoir t'échapper? Reste pour te défendre. Bats-toi, tu entends? Mais Allez, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur de moi, hein? Non, tu vas perdre à nouveau. Mais je deviens fou! Essaye seulement de me ridiculiser, fais gaffe! Parti, mais qu'est-ce qu'elle a? Hé, hey, on s'est fait avoir! Elle a mon fric! Non, elle nous a volé du fric! Mince, rends-moi mon agent! Bon, et logiquement, on devrait pouvoir la retrouver. Je vous le cache pas. Ça, c'est le scénario normal. C'est comme ça devrait se passer. C'est le scénario comme il a été prévu. Et donc, je le joue un peu dans ce sens-là. Logiquement, j'aurais pu passer tout ça... Yeah! Full life, ou presque. Pas très très loin. Bravo Toutoun, tu as vaincu un ennemi d'un seul coup. Ouais, en attendant, ça pex un peu les persos, c'est vrai. Mais ça pex, en fait, ça pex pas vraiment les persos. Hein. Ça pex surtout les limites, là, actuellement. Dash, je crois que tu as le même humour que Max, parce qu'il m'a sorti une musique de Sébastien Patoche.
Je suis pas tellement fan hein, de Sébastien Patoche, je vous le dis tout de suite. Comme ça, ça évitera que plus tard, on me propose des musiques de Sébastien Patoche sur, sur le live des temps de Minecraft. Et oui, je ne suis pas totalement inculte. C'est bien, continue de faire monter ma limite. Tiens! Le coup de bâton final! Rendez-vous en enfer! Et voilà, victoire parfaite! Ah, bah dis donc, les combats s'enchaînent et ne s'arrêtent jamais! Iris, tu as pris tes suppositoires aujourd'hui? Oui, je suis prête! Allez, c'est parti! Magic Matra! Petite guérison là, ce serait pas mal. Oh, regardez-moi ça! Tout le monde est en limite! Ce bombardement! Ouah, c'est joli, ça brille des couleurs de l'arc-en-ciel! Yeah, tout plein de guilds! On casse Apex aussi les guilds, hein. Magie, vos idées ont du génie. Je sors, hein. Si vous me cherchez, je suis dehors. Il y a des trucs pas très catholiques de, dans le chat, hein, quand même. Ouais, elle a un slip en Kevlar, ouais. Ou un caleçon en mitril. Un caleçon en mitril. Et voilà, victoire parfaite. Donc comme quoi, en fait, récupérer les bonnes choses au bon moment dans ce jeu, c'est très important. Ça permet de rendre le jeu d'une simplicité enfantine. Rien que là, hein, Magic Matra, c'est au-delà de toute espérance, ça fait tellement de dégâts. Donc les talents de l'ennemi, ça permet vraiment d'arriver à certains endroits sans... sans trop s'embêter quoi. Vous savez comment ça marche, un Magic Matra, un glace. Bon, logiquement ils sont censés être morts. Voilà, et je les ai bien refroidis. Voilà, on a aussi nos matériaux qui prennent des levels, ça fait plaisir.
suppositoire explosif. Là, c'était un petit peu nécessaire de faire ça, récupérer un petit peu de vie sur Tutun, par exemple. Tutun, qu'est-ce qui se passe? Tâtez un peu de mon épée contre Taillade, level 2. Meurs. Et vous aussi. Oh, je sens que ça va sortir. Tiens, attrape. Continue à essayer de nous attaquer. Hein. Et voilà! C'est parfait! Pourquoi tu veux te cacher, Narwick? Si tu veux te cacher, mets-toi dans Tutun. Oh mon dieu! C'est affreux! C'est affreux ce qui se passe dans le chat, les amis! C'est affreux! Bon, et après ça, on sera tranquille. On n'aura quasiment plus rien à faire par ici. Mets-toi dans un banquet KFC, mec! C'est vrai que les buckets KFC, y en a des très très gros, hein, j'en ai vu. Allons-y. Alors. Montre-toi, Gabine, tu nous as piqué 500 guilds. Viens là. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Non, c'est pas encore ça. Ça va venir. Ouais, on va la fouetter. On va lui faire payer. C'est mon argent, j'en ai besoin. Mais même si j'en ai pas besoin, c'est le mien. C'est mon argent à moi. Il est rien qu'à moi, tout à moi. J'ai dû tuer plein de mobs, hein, quand même, pour récupérer tout cet argent. Gabine, montre-toi, tu vas voir un petit peu ce que tu vas prendre. Allez! Fais pas ta chuchote! On sait que t'as pris plus que ça la dernière fois! Viens là! Vas-y, Tutun! Mets-la KO! Tiens, dans les dents! Facture du dentiste! Tu crois vraiment pouvoir nous faire mal avec ça?
Eh mec, je peux pas croire que j'ai perdu. Si, et cette fois, les mecs, attrapez-la. Ligotez-la. Plus vite, bougez. Espèce de vieilleté de hérisson, encore une fois, on remet ça encore une fois. Ça ne m'intéresse pas. Tu penses pouvoir t'échapper? Reste pour te défendre. Bats-toi, tu entends? Allez, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur de moi, hein? Tu as la trouille. C'est exactement ce que je pensais. Qu'est-ce que tu crois? Avec ma force? Bonne chance à vous, les mecs. Si ça vous dit, on pourra revenir faire un tour plus tard. Je m'en vais. Vraiment. Je crois que c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore quelque chose pour moi? Alors c'est tout. Je sais que tu as besoin de mon aide. Je suis si gentil. Tu veux que je t'accompagne, c'est ça? Là, je sais plus. Toutoun, prepare your anus. Faradir, je me souviens plus là. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semble. Ouais, c'est ce que je pensais. Tu m'as mis dans le pétrin. Qu'est-ce que je devrais faire? Même si tu insistes tant, je ne peux pas refuser. D'accord, je vais avec toi. Et c'est là qu'il faut faire. Dépêchons-nous. Hein? Hé! Attends, je t'ai même pas dit comment je m'appelle. Alors, comment est-ce qu'on va l'appeler? Ah, moi j'ai déjà une idée. Étant donné que la seule personne de sexe féminin dans notre assemblée, alors est-ce que je peux l'appeler comme ça? Est-ce que j'aurai assez de lettres? Non. Ah, c'est pas grave, on va faire comme ça. Tac. Et on saura que c'est Miss Papillon. Ou peut-être qu'on pourra l'appeler Papillon, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Miss Papillon? Tu préfères que je l'appelle Miss Papille et on se rappellera que c'est Miss Papillon ou je l'appelle Papillon? Cindy Sanders. Bon, allez. Tout le monde a l'air d'accord sur le sujet. Ouais. Allons-y. Quelqu'un nous a rejoint! Je suis Papillon, ravi de faire ta connaissance! Super! Ah, c'est exactement ce que j'avais prévu! Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est un peu de ceci, un peu de cela.
Hey, attends, attends-moi. Tiens, je vais te rendre l'argent que je t'ai volé. Ah, j'avais oublié. Bah tiens, attends, tu vas voir. Ou plutôt, est-ce qu'il en reste? Quoi? T'as tout dépensé? Mais comment t'as fait? On est en pleine forêt. T'as quand même pas essayé de l'enterrer sous un arbre? Mais t'es stupide. C'est pas vrai. Qui c'est qui m'a foutu une elfe pareille? Bien, eh ben j'avais un bah, combat. Et y a pas de souci, Miss. Notre papillon. Allez, vous voulez quelques glaçons avec votre Magic Matra? Alors eux font assez mal, mais ce qui est bien, c'est qu'ils font aussi augmenter pas mal. Pas mal en fait les limites. Voilà, ceci étant fait, donc victoire totale. Impeccable, level 20. Hop. Toutoun est en level 18. Ce qu'on va faire. Voilà. On va faire un peu tourner tout le monde. Hein. Et ça va être au tour de Max de rejoindre notre groupe. Alors déjà, on va l'équiper comme il faut. Oui, une griffe mitrille. Donc ça c'est fait. Et un pendentif étoilé, ce sera très bien. Tout voler. On va mettre chocobo. Et poison. Voilà. Et ben voilà. C'est un équipement parfait. Je sais pas ce que vous en dites. Dans les éléments. Bon, je vais sniffer un peu d'éther. Tiens, Iris, prends un peu d'éther. Je prends une potion. 3. Voilà. Et on va, du coup, enregistrer. Eh ben oui, parce qu'il est déjà malheureusement l'heure, on va devoir se quitter. On n'aura pas fait grand chose, mais on a récupéré un nouveau personnage. En l'occurrence, donc Miss Papillon, bienvenue dans l'équipe Miss Papillon, ça fait plaisir. Avoir aussi une présence féminine. Et puis écoutez, bah moi je vous fais de très très gros bisous. Hein, je vous embrasse bien fort. La prochaine fois, on va essayer d'avancer un petit peu plus que ça. Maintenant, on n'a plus rien à faire dans le coin. Hein, on va vraiment avancer. J'ai plus vraiment grand chose à récupérer. Donc voilà. Eh bien, je me répète, mais je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve demain pour le live détente Minecraft. Et on se retrouve également demain. Comment on se retrouve aussi demain, pardon, pour le live de l'Epicness sur Final Fantasy VII qui va continuer. Je vous embrasse bien fort. Pour ceux qui pourront pas, bah, on se retrouvera plus tard malheureusement. Vous pourrez de toute façon retrouver la rediffusion du live donc sur YouTube. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort tout le monde. Merci d'être toujours présent, merci d'être toujours en live avec moi. Et puis bien écoutez, tout mon amour viril, #tisane, et à la prochaine. Merci beaucoup, bisous tout le monde, ciao ciao.